Bonjour, on repart sur 428, parce que pour une fois j'ai tenu mes engagements et je continue la partie le lendemain. Et ça c'est pas rien. Alors, Tama, j'avais terminé, je crois. Ouais. Alors, on va partir voir qui. Bon, on est d'accord que les deux personnages les plus marrants pour l'instant, c'est quand même Tama et Minorikawa. Donc je vais un petit peu dilater leur utilisation. Oui, j'ai bien dit dilater. Comme un dilate un anus. Mais là, c'est des personnages. Donc du coup, je vais un peu switcher. Je ferai Minorikawa avant d'arrêter le stream. Je vais partir sur... Bon, Kano et Hachi, ils sont un petit peu tous les deux dans la ville, donc je vais peut-être pas les faire d'affilée. Donc je vais commencer par un des deux. Et je vais choisir Hachi. Ce sympathique idiot. Défendeur des rues. Et des femmes en détresse. Alors je rappelle que Hachi et Itomi se font poursuivre par un homme qui marche avec une canne. Donc a priori c'est pas vraiment le Usain Bolt des assaillants quoi. Mais bon apparemment il avait réussi à les retrouver donc il est assez... Enfin je veux dire ce qu'il n'a pas en mobilité il le compense en perspicacité. Je bois un délicieux café. D'ailleurs, je vous invite à faire la même chose. Pour qu'on soit raccord, qu'il y ait une sorte de fusion entre nous. C'est une incroyable expérience que seul peu de streamers arrivent à réaliser. D'accord, donc le groupe de Hachi, quand il était plus jeune, c'était apparemment un petit peu les racailles qui traînent dans les halls d'immeubles. Et puis ils se sont mis à devenir une sorte de groupe de vigilantes pour chasser la vraie racaille. Et c'est de là que lui est venue sa passion du ramassage de déchets.
Alors ça fait sacrément mal quand même. Le pauvre Hachi s'est investi dans sa quête de chevalier servant. Et là, elle lui dit un petit peu en gros, écoute, t'es gentil, mais tu me fais chier, quoi. Oui, mais il a une canne aussi. Non mais monsieur, à un moment ça devient du harcèlement par contre. Faut me laisser tranquille. Alors est-ce que je suis le vilain harceleur que l'on prétend ou est-ce que je suis réglo et elle me dit Elle me dit d'aller voir ailleurs et je dis ok. Bon, en vrai, elle a dit que c'était pour pas mettre Hachi en danger, donc soit elle dit ça pour qu'il ait bonne conscience, soit c'est un gros sac. Eh ben non, désolé, tu vas pas te débarrasser d'Hachi comme ça. Ok, donc là on va pouvoir jumper. Jumper vers un autre personnage, mais qui? Ça c'est la question. Et alors je me souviens plus trop si quand je jump, je peux quand même continuer de lire la suite après. Petit doute. Alors qu'est-ce que c'est qu'un building? Ah, d'accord. Donc a priori c'est le bâtiment où Tama et ses amis vont faire la démonstration de la boisson énergisante. Si ma perspicacité est correcte. Alors, est-ce que je tente de jumper ou est-ce que je continue? Qu'est-ce qui se passe si je continue? Qu'est-ce qu'il y a sinon? Tu veux participer au stream aussi? Ouais, d'accord. Non, mais ça va aller, on va se passer de toi, merci. Il est parti en plus.
Non mais Hachi, il faut pas non plus te détourner de ta mission un peu trop là. Pourquoi il nous fait le doigt d'E.T. là? Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas ce qu'elle a sur la tête, mais lui par contre il a un gros bouton sur le front. Ou alors c'est une ombre, je sais pas, mais ça on dirait un gros bouton. Un cafard. Ah oui, voilà, j'en étais sûr, hein. Je l'avais dit la dernière fois. C'était certain que ce maudit cafard allait. Qu'on allait re-entendre parler de lui à un moment. Elle est morte. Elle est morte à l'intérieur. Bad end. Tué par le cafard. C'est la fin de l'histoire, Itomi est morte et ah, elle est vraiment morte, d'accord. Ça, c'est de la phobie niveau élevé. Et bien voilà. Une bien belle histoire qui se termine. Merci, Itomi. À bientôt. Je crois que c'est d'ores et déjà ma fin préférée. Non, mais par contre, je veux pas non plus le refaire, quoi. Alors, pour changer ça, donc, on va aller chez Tama lors de son combat contre la créature. C'est là. Et donc, au lieu de le combattre, ce qui va mener à son envolée. Car oui, les cafards peuvent voler apparemment. Je vais plutôt me barrer en courant avec le carton. Et le laisser vivre sa petite vie. Voilà, donc on revient ici. Je peux repartir dans la timeline. Et là, logiquement, Hachi est débloqué. On va continuer l'histoire d'Hachi. Donc je zappe, hein, ce qu'on a déjà lu.
Alors monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez vous aussi un petit problème de derme, d'épiderme, sur le nez. Oh, ils sont beaux. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi que SOS, c'est l'ancien groupe de Hachi. Les Vigilants de Shibuya. Mais je croyais qu'on les avait déjà rencontrés plus tôt. Il y a bien eu un moment où Hachi a rencontré son ancien groupe. Ou alors c'était d'autres membres, je sais pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire une fille très bonne? Ah. Banging, ok. Non mais ils savent pas à qui ils ont affaire ou quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire quand une jeune femme gémit le nom de Hachi? Bah ouais, je m'en doute un petit peu. Donc je pense que eux, concrètement, ils vont finir dans la benne à ordures avec les déchets. Parce que bon, en tant qu'ancien ancien chef du groupe, enfin du clan, je pense que c'est un petit peu à moi de leur apprendre des bonnes manières, quoi, donc voilà. Voilà. Merci, au revoir. Ton personnage apparaît avec ce genre de musique en général, hein. Il va être intéressant. Kiryu, comme dans Yakuza, le jeu.
Je crois que le jeu lit dans mon esprit en fait. C'est bien de voir que la France est quand même bien représentée culturellement dans les autres pays. Le meilleur d'elle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce personnage, ça va être un peu le Némésis. Le Némésis ou la Némésis, je sais plus. Mais bref, ça va être Némésis de Hachi. En tout cas, il a la tête de l'emploi. Deuxième jump, décidément cette histoire d'Hachi est pleine de rebondissements. Ah, ils ont même pas mis de petite définition sur Sugar Daddy. Sugar Daddy. Mais bon, je suis sûr que vous savez ce que c'est de toute façon. Et en plus, d'après ce que j'ai vu dans un documentaire récemment, c'est très répandu au Japon, chez les étudiantes ou les jeunes femmes. C'est une sorte de prostitution light, quoi. Enfin, light. Ça dépend des situations, évidemment, mais...
Oh, n'est-elle pas adorable? Je fais une mini pause, je vais me resservir du café. Voilà, c'est reparti.
Mais comment il fait pour les rattraper à chaque fois avec sa canne là? Ou alors c'est un imposteur comme dans Usual Suspect. Il fait genre il est boiteux alors pas du tout. Et en fait il court dès qu'il regarde pas. Achi, tu te permets bien des choses. Ouais. C'est bien ça le problème. Est-ce que tu n'aurais pas un petit émetteur caché sur toi, Itomi? Donc après l'avoir porté, il va lui proposer de se déshabiller en pleine rue pour vérifier qu'il n'y a pas de tracker sur elle.
Donc prendre l'élévateur et le faire démarrer vers l'assassin, ça paraît un peu long quand même. Je pense que vaut mieux lui jeter des boîtes en plus vu qu'il est handicapé. Ça va peut-être lui poser un gros souci. Tiens, prends tous ces anagotchi dans ta gueule. Ah non, merde, c'était des... c'était les boissons de Tama. J'espère que ça a touché ses yeux, parce que dans ce cas-là, il va les perdre. C'est exactement ce qui s'est passé. Bah maintenant il sera plus seulement boiteux, il sera aveugle aussi. Bonne chance pour nous retrouver. Encore un jump, ça fait le troisième. Hein. Celui-là, il est caché en plus. Faut que je m'en souvienne. Bon, il sera peut-être marqué sur le sur la timeline. Mais on va voir. Ouais. Ok. Donc il y a les trois, hein. 2, 3, d'accord. Alors, je veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, si tu avais été petite et laide et vieille, tu n'aurais peut-être pas reçu autant d'attention de la part d'Hachi, mais je peux me tromper. Je suis peut-être mauvaise langue. D'accord, j'ai été mauvaise langue.
Ok, donc c'est bien un Terminator le mec, hein. Il a reçu du breuvage diabolique dans les yeux et il arrive quand même à voir. À suivre. Ah oui, donc Tama c'était un keep out, hein, c'était pas... Alors il y a peut-être moyen avec un jump d'Hachi, un des trois jumps, de partir sur Tama. Parce que j'aimerais bien continuer son histoire quand même. Celui-là c'était quoi? Quelqu'un. C'était juste après les cafards, donc c'est peut-être Tama. Enfin, juste avant le cafard. Yes. Ah, mais je peux voir en fait. Sans forcément jumper, d'accord. Eh bien, on va jumper sur Tama, on va continuer son histoire. Ah non, c'était bien plus tôt. Mais ça j'ai déjà fait. Donc du coup, quel est l'intérêt de ce jump si j'avais pas de keep out sur ta main? Pourquoi il y a un trou là? Ok, ce jump c'était qui? C'est Osawa, d'accord. Et là c'était Minorikawa. Donc c'est aucun de ces jumps qui me permettra de continuer Tama. Mais je capte pas pourquoi Tama elle a plein de trous comme ça. C'est la seule, hein? Ah non, Osawa aussi, d'accord. C'est peut-être que juste que des fois ils font des trucs pas très intéressants ou alors qui prennent du temps, donc du coup c'est pas... On les voit pas quoi. Ok, donc j'ai fait Hachi. Jusqu'au bout, on va partir sur... sur Osawa. Comme ça on se garde Minorikawa... qui a priori sera le plus distrayant pour la prochaine fois ou pour la fin du stream.
Hein? C'est quoi ça? Attendez. Ah, je peux voir la liste, ok. Ah, mais il y a déjà une mauvaise fin que j'ai ratée. 1, 4, 8. Ça m'intéresse parce que j'ai vu qu'il y avait un trophée pour avoir eu toutes les mauvaises fins, donc si j'en ai raté, j'aimerais bien les voir, mais je ferai ça plus tard. Je veux juste voir où c'est que recommence Osawa, parce que ça me paraît bizarre ce truc là. Hein? Ah bah je vais retourner de toute façon sur Tama. Ok. Pas trop le choix. Ah non. Osawa. Voilà, donc on repart bien sur les souvenirs avec Aïe.
Ah, c'est intéressant ça. Quatorze jours sans avoir parlé à personne, c'est un sacré record. Il est assez incroyable ce personnage de Kajiwara. Avec son petit air impassible. Non, c'est juste avec lui.
Moi, je suis plutôt pour aller vérifier le log d'entrée. Comme ça, même si quelqu'un s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, on va bien se rendre compte qu'il y a un souci. Ouais, mais bon, à partir de quel moment je peux te faire confiance, Tanaka, en fait? Moi, j'ai confiance en personne, hein, donc... Ouais, j'aimerais bien. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme connerie? Il a perdu sa banane, un truc comme ça? Ah, les toilettes sont bouchées, d'accord. Alors c'est pas pour me faire de la pub, mais si vous allez sur ma chaîne YouTube qui est linkée sur mon compte Twitch, vous verrez que très récemment, genre hier, j'ai publié une vidéo des Simpsons qui s'appelle Le Contrôle. Et vers la fin de cette vidéo, vous pourrez voir Willy, l'homme à tout faire de l'école de Springfield, en proie à des toilettes bouchées aussi. J'en parle parce que c'est une coïncidence amusante. Et je recommande fortement de regarder cet extrait, qui est très drôle.
Je pense qu'il a un truc important à me dire et qu'il veut pas que les flics l'entendent, donc je vais le laisser faire. Quoique l'envie de le tire-bouchonner avec le débouchiotte ne manque pas, j'avoue. Ah mais en fait il est partant pour un petit pour une petite sauterie dans les toilettes apparemment. Il s'est un petit peu résolu à l'idée quoi. Elle est énorme. Enfin plutôt, il est énorme. Ce téléphone portable. Eh oui, j'en étais sûr. À suivre. Bon, bloqué. Parfait. Parfait parce que c'est sur cet incroyable cliffhanger. Alors par contre, il pourrait y avoir un gag encore plus méta, c'est-à-dire que ça se trouve sur le téléphone de Tanaka, il y a une photo de sa bite. Ça, ce serait vraiment délicieux. Mais c'est parfait parce que je vais devoir arrêter vu qu'il est bientôt 8h et que je dois aller faire quelques courses pour ma folle soirée. Donc merci à tous d'avoir suivi ce stream qui était peut-être un petit peu moins long que d'habitude, mais bon. Faut savoir un petit peu apprécier les choses courtes aussi. Et je continuerai prochainement 428 comme prévu. Je vais un petit peu me focus dessus ces temps-ci, comme ça on va avancer dans l'histoire. Et comme d'hab, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire, vous pouvez retrouver les deux premiers et bientôt les trois premiers, puisque je vais uploader la vidéo d'hier. Les deux premiers et trois premiers streams que j'avais fait sur ce jeu sur la chaîne YouTube. Vous avez qu'à regarder dans les playlists, il y a 428 qui est. Il y a une des playlists, c'est ça quoi. C'est pas très compliqué, même si vous êtes idiot. Voilà, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, mais bientôt, pour la suite. Et promis, il y aura des cafards, il y aura des bananes, il y aura des pénis. Et des jeunes femmes en détresse, comme on les aime. À bientôt, merci.